Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes à Saint-Étienne. Bonjour à tous et bienvenue sur ce site, sur la page Facebook Défi Autonomie pour ce 11e Défi Autonomie organisé par Senior Autonomie. Et j'ai avec moi le secrétaire général de Senior Autonomie, c'est Monsieur Poulet. Bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous avoir. On s'est vu ces quelques jours et puis maintenant, ça y est, c'est démarré. Hein. Bah, on est dans la dernière ligne droite puisque dans 2 heures, en gros, les premiers visiteurs vont se présenter, soit pour assister à des ateliers de prévention, puisqu'on a 5 ateliers de prévention qui vont fonctionner pendant les 2 jours, soit pour visiter le salon, et on a 70 exposants qui vont proposer un certain nombre de choses à nos visiteurs, et enfin, tous les participants au colloque, puisqu'on attend dans les différentes séances entre 400 et 500 personnes présente dans l'amphi pour les travaux que nous allons mener. Alors, Alain Poulet, vous avez un thème particulier pour cette année, pour ce 11e défi autonomie. Oui, notre souci, c'est véritablement pas de dire ce qui va bien, parce que c'est l'intérêt de personne de dire ce qui va bien, en fin de compte, puisque ça va bien autant que ça continue comme ça. C'est véritablement de parler de ce qui va pas forcément bien, qui va même quelquefois mal. Et l'objectif que nous poursuivons, nous, c'est de travailler au fait que chaque senior âgé puisse rester chez lui le plus longtemps possible, si c'est son aspiration, à défaut l'admettre dans les meilleures conditions dans les établissements spécialisés pour ce faire. Mais cela, ça nécessite des services, des préventions, et justement, c'est l'objet du salon. Tout à fait. On a autour de différents acteurs qui sont les organismes de sécurité sociale, qui sont les organismes de retraite et de prévoyance, les associations qui s'occupent des patients, des associations de quartier, etc., qui vont pendant 2 jours présenter leur offre de services pour permettre aux seniors d'être informés, pas directement aux seniors âgés eux-mêmes d'ailleurs, mais plutôt à leurs aidants. Parce qui que sont, voilà, ouais. Un point important, les aidants, il faut bien les aider eux aussi. C'est véritablement le cœur de notre problème. On sait tous que les aidants sont des acteurs qui ne se connaissent pas. Ils se découvrent aidants progressivement, et puis à un moment, l'aidant, c'est tellement, nécessite tellement de temps que ça devient une vraie problématique, et c'est sur ces sujets-là qu'on veut travailler. D'accord. Un colloque également pour faire le point un petit peu sur tout ça. Oui, sur tout ça. Un colloque qui va aussi présenter une étude qui nous paraît nous importante sur la désertification médicale dans le département de la Loire, avec la volonté de chercher des solutions, puisqu'un concours étudiant a été lancé et que 3 projets de lutte contre la désertification médicale sont en cours d'analyse par le jury qui se réunit actuellement. Ils viendront ici en parler. Hein, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. Avec pas mal d'invités qui vont venir sur le plateau aussi. Au premier rang d'entre eux, Thierry Baudet, qui nous fait l'honneur et le plaisir et l'amitié d'être l'inaugurant de ce 11e défi, qui est placé, comme tous ses précédents, sous le haut patronage de notre ministre Agnès Buzyn. On peut dire à nos internautes de venir, à quelle heure c'est l'inauguration? Alors, on va démarrer l'inauguration à partir de 14h, mais l'accès au centre de congrès et à l'ensemble du salon démarre à 13h30. 13h30 pour se terminer aux alentours de 17h. 17h, à 17h30, on devrait prendre le verre de l'amitié avant de se quitter. Voilà. Et puis on peut inviter aussi tous nos spectateurs à venir au colloque, hein, bien entendu. Hein. Oui, alors, on a encore des places pour le colloque, c'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas réussi à s'inscrire sur site, des badges vierges sont disponibles à l'accueil et on les enregistrera à l'accueil directement. Donc ils peuvent encore venir au colloque s'ils n'ont pas fait le nécessaire. Pour les ateliers aussi, on peut encore s'inscrire Alors, pour les ateliers, c'est un peu la roulette russe. Il y a des ateliers qui sont complets. Oui. Et si des gens ne se présentent pas, les animatrices qui ont en charge la gestion des ateliers en question sont prêts à donner des accès immédiats, mais c'est un peu le petit bonheur la chance là. Hein, parce que là j'ai la liste des ateliers, hein, domotique, c'est important pour les seniors, bien sûr. Hein. Essentiel pour le maintien à domicile. Et oui, parce que voilà, ça va avec le stress, là aussi on a toujours du stress, est-ce que c'est un allié, est-ce que c'est un ennemi? On va aborder ce thème-là. Avec EOVI, la mutuelle, c'est ménager son dos au quotidien. C'est l'essentiel. Et ça ne concerne pas que les seniors. Que les seniors, bien entendu. Avec Malakoff, Médéric, les bienfaits du rire. Oui. Alors, on va rire avec eux. On va aider les gens qui sont dans le stress, d'abord, de cet accompagnement de personnes en difficulté, de vieillissement. Eh bien,
à se déstresser. Et puis, dans le déstress, il y a le rire. Et donc, il y aura un atelier du rire. Et enfin, avec l'OSPA, c'est garder son équilibre aussi. Oui. Alors, première chute de... Et voilà. Première cause d'entrée en établissement, c'est la chute. C'est la chute. Et ça, c'est véritablement quelque chose qu'il faut prévenir au mieux. Merci Alain Poulet, on va vous libérer. Va se revoir. Et puis on va se revoir. Ah, okay. À très bientôt. Et puis je vous donne rendez-vous à tous à Saint-Étienne, au centre de congrès. On vous attend. Vous ne pouvez pas rater ce salon. Ils ont pris tout le centre des congrès. Donc avec ça, voilà. On se donne rendez-vous après l'inauguration. On sera en direct avec les inaugurants aux alentours de 14h, 14h15 pour le prochain direct. Voilà. À tout à l'heure.